Les maîtres des clés, aujourd'hui une vidéo. D'un côté, le livre audio, de l'autre côté, le livre papier. Qui c'est qui gagne? C'est ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui. Cher maître des clés, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. À ma droite, en culotte noire, 59 kilos, le livre audio. À ma gauche, culotte blanche, 58,9 kg, le livre papier. Le combat commence. Ding, ding, ding. Et là, on a ceux qui défendent le livre audio, ils sont là. Ouais, vas-y. Ouais, non. Le livre audio, c'est la technologie. Le livre audio, ça stimule les mêmes raisons du cerveau que le livre quand tu le lis. Nanananana. Et de l'autre côté, non, moi, je préfère l'odeur du papier. Vas-y, moi, je préfère. Et là, on a un débat sans fin entre les tenants un peu d'électronique et c'est comme lire sur les écrans ou lire version papier. Calmez-vous, les amis. C'est pas un combat de boxe. Il y a, bien entendu, des inconvénients et des avantages dans les deux. Ben oui, bien sûr. Pour celui qui lit pas du tout, on lui dira franchement, tant qu'à faire, lis, écoute un livre en fait. Tu veux pas lire, au moins écoute un bouquin. Tu vas prendre du contenu. D'ailleurs, quand on va à l'école, quand on fréquente les êtres humains, ce qu'ils nous disent, ça nous sort pas par écrit. On les écoute, on regarde leur attitude, donc on se bat sur les sens. Donc on est habitué à cette façon de faire, d'écouter de l'information, de retenir de l'information et traiter de l'information. Donc c'est une compétence de base, quoi qu'il arrive. Ceci étant dit, la lecture est une activité particulière. La lecture est une activité, écoutez bien s'il vous plaît, prenez note, prenez un stylo, une feuille, c'est artificiel. Oui, c'est artificiel. La lecture n'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. C'est une construction, la lecture. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait un petit peu trop long. Ce serait même beaucoup long, très long. Mais retenez juste ça, que c'est une activité artificielle. Alors qu'écouter est une activité naturelle. Regarder est une activité naturelle. Mais lire, regarder et lire est une activité artificielle. D'accord? C'est sous-entendu un outil que l'être humain a reçu ou inventé, écriture moins 3000 avant Jésus-Christ. Et il utilise depuis moins 3000 avant Jésus-Christ sous la forme codée, sous la forme de code alphabétique, hein, parce que l'écriture, les prémices, les dessins, ça date de avant, hein, l'Antiquité, les hommes préhistoriques et tout ça. L'avantage d'un livre audio, c'est que tu peux l'emmener avec toi dans ton téléphone, dans ta voiture, tu peux même en dormant, tu peux fermer les yeux, l'écouter, tu apprends énormément de choses. Ouais. Il y a un pourcentage qui est lié à la fonction auditive, un pourcentage d'encodage de l'information qui est intéressant. Ce n'est pas le top du top, mais c'est assez intéressant. Le livre papier, ou le fait de... Alors, il y a un côté affectif pour ceux qui ont été élevés avec. C'est-à-dire que l'odeur du papier, le toucher, quand on touche du papier, il y a aussi une espèce... Quand on dit il y a l'odeur du papier normal, mais il y a l'odeur du vieux papier... Tout ça, c'est rempli d'affect, parce que quand on était petit, on a appris à lire avec ces supports-là pour ceux qui ont appris à lire comme ça. Et donc, il y a tout un contexte, il y a tout un environnement avec un ancrage hyper fort du point de vue de l'odeur et de la kinesthésie, ce qu'on appelle la kinesthésie de toucher. Donc, quelqu'un qui a été élevé avec ça, c'est ancré en lui, en fait, cette relation un peu physique avec le support. Alors qu'un livre audio, c'est de la formation informatique. C'est juste un bruit qui sort de ton téléphone, de ton ordinateur, de ta radio, etc., etc. Vous avez vu, il y a des avantages dans les deux. L'inconvénient d'un livre audio, c'est que on est dans un système électronique. Donc si, par exemple, ton téléphone, la batterie, elle est morte, tu ne peux pas utiliser ton livre audio. Si, par exemple, ton téléphone, il se casse, tu ne peux pas utiliser ton livre audio. Mais ton livre papier, si tu l'utilises, eh bien, tu vas pouvoir, bah, pas de manque de batterie, même tu le fais tomber, hein, faire tomber un livre, à part te faire mal au pied, à toi, ça va causer plus de tort à ton pied qu'à ton bouquin. Donc, il y a d'autres avantages pour le papier, d'autres inconvénients pour le papier, d'autres avantages pour le livre audio, etc., etc. Maintenant, il y a quelque chose qui est important aussi
à spécifier et qui concerne autant le livre papier que le livre électronique, c'est-à-dire qu'on lit sur support électronique. C'est en fait le processus intellectuel qui est en jeu, le processus cognitif qui est en jeu lors de la lecture, c'est inégalable. C'est inégalable. C'est-à-dire que la fonction auditive, quand tu traites dans l'information, c'est comme quelqu'un qui te parle. C'est comme quelqu'un qui te parle. Il te parle. Donc toi, tu traites l'information. Que ce soit quelqu'un de physique ou quelqu'un de pas physique. Okay? Mais la fonction de la lecture, elle met en jeu des aires cérébrales uniques. Il y a les aires visuelles et il y a la partie occipito-temporale dans le cerveau, donc du côté gauche vers le milieu, qui joue un rôle dans la lecture pour tous les êtres humains sur Terre. Tous les êtres humains sur Terre. C'est la même partie qui s'occupe de la reconnaissance visuelle des mots, la partie occipito-temporale gauche. Donc là, à partir de là, ça nous permet de dire que quand on fait un exercice de lecture, c'est un exercice intellectuel, physique, qui coordonne plein de parties du cerveau différentes. Donc ça veut dire qu'on travaille des connexions plus nombreuses que quand on écoute un livre audio. Alors au niveau de l'imagination, je pense, je sais pas, je suis pas spécialiste, j'aurais tendance à dire que c'est un peu pareil, parce que tu écoutes les mots, tu les retranscris dans ton univers, tu les imagines, tu imagines les personnes et tout. Mais quand tu lis, l'exercice d'imagination, il est beaucoup plus puissant, parce que tu t'appuies sur rien, tu t'appuies ni sur ce qui est dit, ni sur ce qui est vu, tu es uniquement sur ce qui est lu. Vous voyez? Donc là, il y a un peu à boire et à manger dans les deux domaines. Simplement, nous, on dit si quelqu'un ne lit pas, va faire du livre audio. Si maintenant, tu as cette capacité, cette compétence de lire, lis des livres papier ou des livres électroniques. On avait déjà dit que la vitesse rentre pas en ligne de compte, que ce soit un livre électronique ou un livre sur papier. Donc là, ne pas s'inquiéter. Donc, j'espère vous avoir un peu aiguillé dans ce domaine de la lecture. L'essentiel, c'est lisez. Épanouissez-vous, apprenez, écoutez, regardez et surtout réfléchissez. C'est le mot de la fin.